Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salut et paix à vous tous. À plusieurs reprises dans le Coran. Ma démonstration d'aujourd'hui se basera donc uniquement sur des versets du Coran, et cela pour une raison simple. Ce que je vais juger pour vous dans cette vidéo, ce sont les arguments d'Allah, sa rhétorique, la capacité d'Allah à donner une explication logique sur le sujet des miracles. Donc, j'anticipe d'emblée les contradictions inutiles à répondre à la démonstration de ma vidéo. Ce n'est pas la peine de me parler des hadiths sahih qui récitent des témoignages sur des scènes datant de 2 siècles en arrière auxquelles voilà, ils n'ont pas pu assister eux-mêmes. Vous l'avez bien écouté. Il ne veut rien en savoir des hadiths, qui sont tous en effet des narrations sur des faits datant de plus de 2 siècles de la mort de leur auteur. Moi, sincèrement, je lui dis bravo, Majid Okacha. C'est ainsi que réfléchissent les intellects du 21e siècle. Les hommes sincères, les hommes sages, ceux qui n'ont aucune haine vers l'autre et qui disent n'importe quoi. On ne peut pas tenir compte des narrations dont les auteurs ne sont plus ici, sinon à travers leurs manuscrits ou les archives qu'ils nous ont laissés. Les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne nous ont laissé aucune archive ni manuscrit sur leur hadith, à part quelques manuscrits du Coran. Comment faire à prendre en compte alors leur hadith? Mais maintenant, écoutez ce que disait Majid Okacha dans sa vidéo sur l'âge de mariage de Aïcha radiallahu anha. Écoutez-le alors. La source d'information historique essentielle des musulmans sur les propos et actions du prophète Mohammed ainsi que de son épouse Aïcha, ce sont les hadiths, et c'est donc à partir de ces fameux textes de hadith que nous allons travailler aujourd'hui. Et on va commencer avec une première étape, on va écarter d'emblée tous les recueils de hadiths faibles, et durant cette vidéo on ne va d'ailleurs analyser que des témoignages appartenant aux 2 recueils de hadiths ayant le statut de recevabilité maximale dans l'islam. Mamma mia, Mr. Majid Okacha. Tu nous as souligné que tes sources dans ta vidéo précédente sur l'âge du mariage de Aïcha radiallahu anha avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu nous as souligné que celle-ci provenait de hadiths authentiques et donc indiscutables et crédibles selon toi. Ici par contre, tu élimines les hadiths même s'ils sont dits authentiques, parce que selon toi, ils ne sont pas crédibles, vu que ce sont des narrations racontées 2 siècles après les faits en question, et donc pas par des témoins directs, et ils ne sont plus crédibles selon toi. Alors, tu n'entends pas les utiliser. Pour moi, tu as bien fait à ne pas les utiliser, et j'aurais été de ton avis si tu avais traité de la même façon les hadiths sur l'âge de Aïcha au moment de son mariage avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais tu m'as déçu, parce que ton double standard, qui a pour but seulement de nuire avec ta haine contre l'islam, contre son prophète et contre les musulmans, et au même moment utiliser le feu de la haine envers eux de la part des islamophobes enragés contre l'islam. Pour les ignorants, ta grande contradiction ici passe inobservée, parce qu'ils ne t'écoutent pas avec leur intellect, car ils n'en ont pas. Ils t'écoutent juste pour satisfaire leur haine et la faire déferler sur l'islam et son prophète, et par conséquent sur les musulmans. Mais pour qui t'écoute avec attention et ne laisse passer aucune de tes affirmations sans la filtrer, cette grande contradiction ne passe pas, parce qu'elle est la preuve de ta malhonnêteté intellectuelle. Tu considères les hadiths authentiques quand ça te plaît et non crédibles quand ça ne te plaît pas. Ceci confirme sans doute ton hypocrisie et éclaircit ton but, qui est celui de nuire à l'islam avec tous les moyens, même avec le mensonge et le baratin. Les livres de hadith sahih de Muslim et de Bukhari. Et dans ces livres de hadith sahih qui compilent des milliers de textes, on trouve justement différents témoignages attestant du fait qu'Aïcha avait 6 ans lorsqu'elle a été mariée au prophète Mohammed et 9 ans lorsque le mariage entre elle et Mohammed a été consommé.
Et là, certains musulmans pourraient par exemple me rétorquer que les témoins de ces hadiths sahih que je cite ne sont pas fiables ou qu'ils connaissaient mal Aïcha. Allez, admettons. Mais le problème, c'est qu'on trouve également des hadiths sahih dans Muslim et Bukhari où Aïcha elle-même, de sa propre bouche, affirme également avoir été mariée à Mohammed à l'âge de 6 ans et que le mariage fut consommé quand elle avait 9 ans. Dans les hadiths sahih, il y a une amplitude allant de 6 ans quasiment unanimement à 7 ans pour les témoignages sur l'année du mariage d'Aïcha et 9 ans pile pour la consommation du mariage. C'est confirmé tant de la propre bouche d'Aïcha qui devait quand même connaître son propre âge que de celui d'autres personnes. Et si les musulmans veulent contester la crédibilité de ces hadiths, alors ils ne doivent plus jamais se servir du moindre hadith, car déjà ces hadiths que je cite sont issus des recueils qui ont le degré de recevabilité maximale dans l'islam pour rappel. Tu parles ici de témoignage de Aïcha radiallahu anha avec sa propre bouche. Mais ne sont-ils pas des hadiths, ceux-ci aussi, racontés 2 siècles après les soi-disant faits? Comment peux-tu affirmer que Aïcha radiallahu anha aurait raconté ces hadiths de sa propre bouche? As-tu une vidéo dans tes archives où elle aurait raconté cela? Ou as-tu un écrit lui appartenant dans lequel elle affirme cela? Vois-tu comment tu te contredis grossièrement car tu dis dans ta nouvelle vidéo que les hadiths sont des narrations de faits qui auraient eu lieu il y a 2 siècles au moins et que, du fait, ils ne sont plus crédibles. Mais ici tu les appelles sahih, c'est-à-dire véridiques. N'as-tu pas honte de déjouer l'opinion publique avec tes contradictions préméditées juste pour véhiculer ta haine contre l'islam et son prophète? Wallahi, c'est honteux de ta part, et c'est une grande insulte à ton père que tu dis avoir été un grand imam. Pour te remettre à ta place et te faire descendre du piédestal que tu t'es construit avec tes mensonges, sais-tu, Mr. Okasha, que ce n'est pas Al-Bukhari qui aurait écrit le Sahih qui lui est attribué, ni d'ailleurs Muslim. Al-Bukhari est né en 194 de l'Hégire, et est mort en 256 de l'Hégire, qui est l'équivalent de 870 du calendrier grégorien. Et le premier manuscrit, soit le 3e tome d'un livre intitulé Sahih al-Bukhari, se trouve dans une bibliothèque en Bulgarie, à Sofia, et revient à l'an 407 de l'Hégire, l'équivalent de 1016 du calendrier grégorien. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la liste de toutes les archives ou manuscrits en langue arabe qui se trouveraient dans toutes les bibliothèques du monde et qui ont été recensés et publiés en 1982 à Bagdad, en Irak. Je te conseille, si tu connais la langue arabe, de lire le livre de Rachid Aylal, qui a pour titre « La fin d'une légende, Al-Bukhari »,« Nihayat Ustura, Al-Bukhari ». Comme je te conseille de lire aussi les livres du grand savant et chercheur irakien, Qorqis Awad, qui est un des plus grands experts reconnus mondialement pour avoir recensé tous les manuscrits en langue arabe se trouvant dans toutes les bibliothèques du monde entier depuis la naissance de l'islam jusqu'à l'an 500 de l'Hégire. L'équivalent de l'année grégorienne 1106. Et à qui a été publié par le ministère de la Culture et de l'Information irakien en 1982. Durant les 3 premiers siècles de l'islam, il n'a relevé que quelques manuscrits du Coran et celui de Sibawé, un perse grammairien de la langue arabe, auxquels font référence tous les érudits du passé de l'islam. C'est le Larousse de la grammaire arabe. Écoutons encore ce que dit Majid Okasha dans sa nouvelle vidéo. Mais durant les 23 années de la mission prophétique de Mohammed, durant lesquelles il a récité au compte-gouttes le Coran autour de lui, Allah n'a manifestement jamais envoyé le moindre miracle à Mohammed, et il s'en est même expliqué à plusieurs reprises dans le Coran. Dans le Coran, censé être une parole divine de la première à la dernière phrase, Allah parle de beaucoup de choses. Il raconte par exemple des témoignages historiques sur d'anciens prophètes,
des lois avec des interdits ou des obligations, des leçons de morale, des descriptions de la vie dans l'au-delà après la mort, soit en enfer, soit au paradis. Mais on trouve aussi parfois dans le Coran des versets où Allah parle des contemporains du prophète Mohammed qui ont refusé de croire en sa mission prophétique et qui l'ont pris pour un fou ou pour un menteur. Et un des nombreux arguments invoqués par les personnes qui ont accusé Mohammed d'avoir inventé sa mission prophétique divine pour des raisons psychiatriques ou malhonnêtes, c'est qu'en tant que prophète divin, Mohammed aurait pu demander à Dieu de faire apparaître un miracle à la vue de tous afin de faire taire instantanément ceux qui l'accusent de raconter n'importe quoi. Mais je n'ai pas compris où Mr. Okasha voudrait arriver avec cette affirmation. Veut-il nous faire une différence entre le prophète Mohammed et ceux qui l'ont précédé? Mr. Okasha doit savoir premièrement que entre la mission de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et celle des prophètes qui l'ont précédé, il y a une grande différence. Les grands prodiges faits par Moïse ou Jésus et les autres prophètes n'étaient pas pour un message divin définitif. Tous les prophètes avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avaient porté des messages temporaires en attendant la venue du sceau des prophètes. Les grands miracles qu'ils ont faits étaient temporaires et ne concernaient pas les générations futures et servaient à convaincre tout le monde, les personnes lettrées, et ils étaient peu, et les personnes illettrées qui représentaient la majorité du peuple juif de l'époque. Qui peut nous confirmer aujourd'hui que Moïse a fait ces miracles connus et que Jésus en a fait aussi? Personne ne prétendrait pouvoir nous prouver que Moïse a traversé la mer Rouge à pied après la miraculeuse séparation des eaux. Et s'il prétend pouvoir nous le démontrer, qu'il vienne ici nous le prouver. Les populations de l'époque de Moïse ou de Jésus n'étaient pas prêtes à recevoir un message qui nécessite des intellects sains et lettérés, capables de comprendre les messages définitifs d'Allah. La population mondiale vivait encore dans les légendes et l'obscurantisme total. Ils croyaient en des dieux parmi les humains, et donc l'idée de Dieu n'était pas claire pour eux. En effet, Jésus, qui était le dernier messager de la maison d'Israël, avait souligné à ses apôtres ce détail sur leur incapacité de comprendre en leur temps le message du dernier prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, encore attendu dans leur écriture sainte. Il avait dit à ses apôtres, dans Jean 16, c'est Jésus qui a dit à ses apôtres, dans les versets 12 et 13 du chapitre 16, il dit: « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Et c'est ce que a fait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a apporté le grand miracle vivant, jamais donné au monde, et qui est le Coran. Mr. Okasha a souligné que dans le Coran, il est mis l'accent sur le fait que sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et sous-entendu pas sur les autres prophètes avec lui, il est dit que c'est un menteur, un magicien ou un adepte d'un magicien ou un fou. La même chose a été dite, Mr. Okasha, de Moïse, de Jésus et des autres prophètes. Les gens tiennent plus à leur tradition ancestrale qu'à la vérité provenant de Dieu, parce que leur intellect est fermé et ne peuvent pas ou ne veulent pas réfléchir. Écoute ce que les Juifs du temps de Jésus lui auraient dit. Jean chapitre 8, versets 48 et 49. Les Juifs lui répondirent, et répondirent à Jésus: « N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon ?» Jésus répliqua: « Je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. » Et même à Jésus, comme à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les mécréants lui ont demandé de leur démontrer par un miracle qu'il est vraiment un messager de Dieu. Donc ils avaient des doutes sur lui, ils ne croyaient pas en lui.
Et voici la réponse de Jésus dans Matthieu chapitre 12, versets 38 et 39. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens, donc les intellectuels des juifs de l'époque, sont venus demander cette question-là à Jésus. Ça veut dire qu'ils ne croyaient pas en lui, malgré qu'il est prescrit dans leurs écritures qu'il y avait encore le Messie, Élie, et puis le prophète qui devait encore venir. Alors, ils lui dirent, « Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. » Et c'est un miracle qui était prévu après la présumée mort et résurrection de Jésus-Christ, et qui ne s'est pas réalisé d'ailleurs. Mais laissons faire cela. Ce qui nous intéresse ici, c'est qu'en 100 ans, Jésus, malgré tous les miracles qu'il avait faits, les Juifs ne croyaient pas en lui. Ils n'ont pas cru que c'était lui le Messie attendu. Donc aucun miracle ne leur a été donné de suite, après leur demande. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait fait des miracles devant tout le monde. Mais pour nous les musulmans, ceux-ci n'ont jamais été objet de notre intéressement, parce qu'ils concernent seulement les contemporains du prophète. Aurais-tu cru au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam si le Coran avait cité des grands miracles faits par lui face au public? Jamais de la vie. Tu aurais toujours mis en doute la mission prophétique de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour d'autres justifications que tu aurais inventées. Mais pour ton information, Mister Okasha, dans cette première partie de ma réplique à ta vidéo sur les miracles non donnés par Allah au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je m'arrête ici et je laisse la liste des miracles que le prophète a eu de la part d'Allah pour la deuxième partie de cette vidéo. Les miracles demandés sont vivants depuis des siècles et donc vérifiables par qui que ce soit et toujours sous les yeux de ceux qui affrontent le Coran avec un intellect avide de savoir et pas avec un cœur plein de haine et de rage contre l'islam, contre son prophète et contre les musulmans. Bref, ta tentative, Mister Okasha, de vouloir ici discréditer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est de montrer fallacieuse. Et ce qui va suivre dans la deuxième partie de cette vidéo te brisera toute autre velléité future de porter atteinte à la grandeur de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et du vrai message islamique. Je vous donne donc rendez-vous à la deuxième partie de cette vidéo que je publierai très prochainement, Inch'Allah. Salut et bénédiction de Dieu à vous tous. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.